balobi mama mardi ne mama mardi ne balobi shop Africa Union mais quand t'es qu'un nyonso biloko ya ya wali ni yoko mwore oni dinde ko la yo a sali sa yote bona korea na yo moko ma bonde la yo bona mtoto na yo moko ya elei moko ma bonde la yo balobi bio bio Africa Union et quand t'es qu'un tout à quoi n'a pas si moi si non voye pas ya dino voye ya ni Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre Face à Face. Aujourd'hui, c'est dans le cœur d'un ouvrage. En fait, je veux vous présenter un homme. Il est professeur, vice-doyen à la recherche et directeur de l'IRES, faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa, ici en République démocratique du Congo. C'est le professeur José Mangalou Mobe Agbada. Les gens vont se dire, mais ah ouais, tu l'as eu finalement, tu l'as beaucoup cité dans tes émissions. En fait, je ne le citais pas pour Libanga, en fait. Je citais l'intelligence qu'il avait, sa manière de comprendre. Vous savez, mesdames et messieurs, dans notre pays, on parle beaucoup plus politique, mais très souvent sur les questions de société. Alors que ce sont des questions de société qui développent un pays et pas les émissions politiques dans la plupart des cas. Aujourd'hui, nous parlons du recensement, élection, état civil, identification nationale. Que des questions qu'on a politiquement taboutisées. Pourtant, des questions qui devraient être ouvertes à toute réflexion. Il est avec nous aujourd'hui, M. José Agbada, bonjour. Bonjour, cher Christian. Comment allez-vous? Non, je vais très bien, merci. Comment on fait pour être démographe? Comment on fait pour être démographe? Bon, il faut avoir d'abord son diplôme d'État pour s'inscrire à l'université. Et une fois qu'on est inscrit à l'université, il faut finir un premier cycle. Okay. En droit, en économie, en gestion, et puis venir chez nous faire un test d'admission, puisque nous commençons à licence, en pré-licence. Donc après les graduats, vous venez, vous faites votre test, si vous êtes classé en ordre utile, vous faites les 3 ans qui vous amènent au titre de licencié en démographie, après vous pouvez faire la maîtrise comme moi, et le doctorat probablement. Donc, voilà le cheminement. Est-ce que c'est important la démographie dans un pays? Autant que toutes les autres sciences, la démographie, c'est important. Pourquoi? Parce que tout tourne autour de l'homme. Tout tourne autour de l'homme. Toutes les sciences ont pour vocation de satisfaire les besoins de l'homme. Mais pour satisfaire les besoins de cet homme, l'une des premières choses, il faut savoir quel est cet homme. Il faut le connaître. Quel âge il a? Combien d'enfants il a? Est-il marié? Est-il célibataire? Parce que les besoins de cet homme vont varier en fonction de ces éléments-là. Voilà l'importance de la démographie qui nous permet de mesurer, d'étudier les populations humaines et toutes les caractéristiques qui les entourent, mais aussi la dynamique que cette population humaine entretient avec l'économie, avec la sociologie, voilà, alors, grosso modo. Vous faites une étude importante, que j'estime très importante. Merci. Vous dites « État civil au service du rôle électoral, contribution pour des élections crédibles, transparente, apaisée. » Alors, la grande question est celle de savoir. Dans un pays, vous dites, vous, déjà dans ce livre, vous dites que la première ressource importante, c'est la population. Tout à fait. Pourtant, nous, on pense que la première ressource, c'est les diamants, le coltan et le cobalt. Non, les diamants ne se gèrent pas lui-même, les coltans ne se gèrent pas lui-même, l'or ne se gère pas lui-même. C'est l'homme qui extrait l'or, c'est l'homme qui donne de la valeur aux diamants. Donc, la première ressource, c'est d'abord l'homme. La preuve, les Congo, nous avons tout. Nous avons l'or, nous avons les coltans, nous avons les diamants, mais nous ne sommes pas pour autant développés parce que peut-être nous manquons l'homme. Nous manquons l'homme qui puisse mettre toutes ces ressources en valeur. Alors, c'est la population. Et vous dites qu'il faut connaître la population. Il faut connaître la population. Il faut que le mot Kambi
connaisse sa population et que la population connaisse son Mokambi. Tout à fait. Comment vous expliquez en détail? Alors, puisque la mission de Mokambi, pour reprendre votre expression, c'est de satisfaire aux besoins de sa population. Oui. Je vais prendre un exemple tout à fait banal, même au niveau de nos ménages. Mmh. Vous êtes papa, vous êtes maman, vous voulez faire les repas pour les membres de votre ménage. Mais la première chose à savoir, combien il y aura de convives autour de la table. Oui. Puisque la quantité d'eau que tu mettras pour les foufous, puisque nous mangeons essentiellement les foufous ici, dépendra de la quantité de convives. Donc s'il n'y en a pas beaucoup et que vous préparez trop, il y aura du gaspillage. Et par contre, si vous préparez peu par rapport au nombre de convives, les gens vont se bagarrer autour de la table. Donc c'est l'élément, et a fortiori pour les dirigeants au niveau étatique, parce que encore une fois, les besoins des hommes, c'est en fonction de leur nombre, c'est en fonction de leurs caractéristiques. Pour dire globalement, si vous avez un pays où il y a, vous avez par exemple 60% d'enfants de la population qui a 20 ans, et un autre pays qui a 60% de sa population qui a plus de 50 ans, les besoins ne sont pas les mêmes. Dans les premiers cas, on aura besoin des écoles, on aura besoin des centres récréatifs, ainsi de suite. Mais dans les seconds cas, on aura beaucoup plus besoin de hommes de vieillards, etc. Voilà quelques éléments. Donc c'est essentiel de connaître la population pour le satisfaire. Alors les chrétiens disent, si vous lisez la Bible quelque part, il y a des ressources, il y a des richesses qui est d'hommes. Donc, la première richesse, c'est l'homme. Si vous voyez les dirigeants, la taille, la puissance des États se mesure notamment en fonction de sa population. Si le Congo dit qu'il est plus grand que le Congo Kinshasa, dit qu'il est plus grand que le Congo Brazzaville, bien entendu, la superficie joue, mais c'est aussi l'effectif de la population que les dirigeants mettent sur la table. Donc, vous ne pouvez pas penser développement sans connaître la population. Impossible. Puisque vous allez développer qui? Le développement, c'est quoi en fait? Pour faire simple, le développement, c'est l'amélioration des conditions de vie de la population. Simple. Pour faire simple, pour éviter les définitions livresques. Donc, si vous améliorez les conditions de vie de la population, vous accédez à un certain niveau de développement. Évidemment, ce n'est pas un état. Le développement n'est pas un état, c'est un processus. Puisque les besoins créent des besoins. N'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a quelques années, nous n'avions pas de GSM, nous n'avions pas de téléphone. Oui. Personne n'avait envie d'acheter des crédits. Oui. Donc, quand les téléphones étaient arrivés, les besoins de crédit arrivent. Voilà. Donc, il y a des besoins qui créent les besoins, ce qui veut dire que le développement est un processus continu. Alors, dans ce sens-là, comment voulez-vous satisfaire les besoins de la population si déjà vous ne les connaissez pas? C'est ça la grande équation. Est-ce que l'ignorance de sa population peut entraîner le chaos ou l'anarchie? Peut entraîner le chaos, peut entraîner... Puisque la population, c'est à la fois un atout pour le développement, mais c'est un défi, c'est aussi un danger. S'il n'est pas bien encadré, la même population peut constituer demain... Un véritable Nous le vivons déjà avec les phénomènes. Bon, Larry n'a pas des enfants, mais on dit gouvernement ici les enfants de Larry. Le Kuluna et les bien d'autres. Ça signifie quelque part qu'on n'a pas réussi à gérer la population comme une variable. Okay. Ces enfants-là auraient dû se retrouver à l'école, mais ils se retrouvent dans la rue. C'est clair, peut-être que leurs parents n'ont pas le moyen, mais le nombre d'écoles que nous avons aujourd'hui, surtout les enfants devraient être à l'école, mais il n'y aura plus de place. Déjà, le phénomène gratuité nous a fait voir que les classes aujourd'hui sont bondées. Il y a nécessité de construire de nouvelles écoles. Alors, quand on parle de la population, est-ce que nous parlons de ceux qui sont morts, ceux qui naissent? On parle de quoi exactement? Alors, quand on parle de la population, on parle de tous ces éléments-là. Ah, d'accord. La population est un organisme vivant, comme vous et nous, comme... C'est-à-dire une population naît, elle grandit, une population grandit, et puis elle meurt. Une population meurt. Ah, c'est vrai? Oui, une population meurt. Okay. Ouais, il y a des peuples qui ont disparu, quoi. Les pygmées, il y en a encore aujourd'hui, mais il y a des peuples qui sont en voie de disparition. Nous avons appris en histoire les australopithèques, en Grèce. Voilà, ce n'était pas de la mythologie. Non, il n'existait pas aujourd'hui. Ça veut dire qu'une population naît, une population grandit, une population se déplace et une population meurt. Alors, toutes ces étapes-là doivent être gérées. C'est comme notre ressource, nos richesses naissent, on n'est pas forcément né riche, on peut devenir riche, mais on peut entretenir cette richesse et avoir encore plus, mais comme on peut se retrouver demain pire qu'aujourd'hui, donc c'est la même dynamique. Alors, depuis que la RDC est RDC, on va dire, est-ce que il y a eu un divorce entre la politique et la gestion de la cité, ou il y a toujours eu cette corrélation entre la politique et la gestion de la cité?
Non, moi je crois que il y a, pour aujourd'hui, on peut clairement parler du divorce entre les deux entités. Pourquoi? Entre les dirigeants et la population. Parce que la politique, encore une fois, le gouvernement a pour mission essentielle le bien-être de la population. La justification d'un pouvoir politique, c'est pour améliorer les conditions de vie de sa population. Si le gouvernement, si la gestion politique n'arrive pas à améliorer le bien-être de la population, c'est une gestion qui ne vaut pas la peine. Alors, l'exemple, vous l'avez si bien dit. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire très sincèrement que les différents gouvernements que nous avons eus dans ces pays ont amélioré les conditions de vie de la population? Non. Moi, ma mère me disait qu'elle est née sous la colonisation. C'est vrai qu'il y avait des chicottes. À l'époque, me disait, les manger n'était pas un problème à leur époque. Ils allaient à l'hôpital, ils ne payaient pas. Ils allaient à l'école, ils ne payaient pas. Ce sont ces éléments-là de développement. Mais nous, aujourd'hui, peut-être il n'y a pas de chicotte comme il y en avait à l'époque. Mais il y a la faim, il y a la maladie. C'est une autre forme de chicotte. Hein? C'est une autre forme de chicotte, oui. Peut-être psychologique. Voilà, donc, clairement, il y a un divorce entre le gouvernement et le gouverneur. Alors, j'ai envie de poser la question directement. Comment on fait pour connaître sa population? Comment on fait pour connaître sa population? Je vais dire simple, il faut d'abord commencer par les compter. C'est-à-dire quoi? Il faut avoir des mécanismes qui puissent faire que chaque unité de la population, c'est-à-dire chaque enfant qui naît, est enregistré quelque part. Il y a d'abord le système le plus vieux qui existe, c'est l'état civil. L'état civil, c'est un système qui consiste à enregistrer certains événements vitaux qui concernent les êtres humains. Mmh. Quand je parle des événements vitaux, il s'agit notamment de la naissance, il s'agit des mariages, il s'agit des décès. Ça, c'est le premier élément. Donc, et c'est une institution permanente, pérenne, qui est gérée par l'État dans ce but-là. Donc, en principe, nous devrions tous être enregistrés dans un bureau d'État civil et l'ensemble de ces registres-là aurait formé ce qu'on appelle fichier général de la population, dans lequel vous et nous, nous sommes censés nous retrouver. Mais bon, est-ce que mais comment c'est possible, professeur, quand je vois Sakania, quand je vois Molegbe, quand je vois Ikanga, Lilangi, Basankusu, quand je vois Walikale, Vichumvi, Bunia, comment c'est possible qu'un enfant qui est né dans un village puisse être reconnu et compté? Je ne comprends pas. Alors, les systèmes, à l'époque coloniale, ça fonctionnait, ces mêmes systèmes-là. Ça fonctionnait. C'était possible. Oui. Les chefs du village servaient à la fois des agents, des officiers de l'État civil. Donc, les pays étaient quadrillés, tel que chaque bureau de l'État civil avait un espace géographique de compétences et les parents allaient enregistrer les enfants à ces bureaux-là, de même pour les changements de résidence, etc. Ce qui permettait à l'État, à un moment donné, de connaître combien il y a de gens sur son territoire. À côté de l'État civil, il y a le recensement, qui est une opération périodique, qui généralement s'est fait tous les 10 ans. La Bible en parle. Jésus est né pendant, pour ceux qui croient à la Bible, est né pendant un recensement. Son père, Joseph, sa mère, sont allés l'enregistrer. Sont allés là. Juste après sa naissance. Voilà. Donc c'est cela que nous devons faire. Parce que ça a des objectifs pour la gestion de la cité. Vous voulez construire des maisons. Vous voulez construire des routes. Prenons les maisons. Mais il faut savoir quelle est la taille moyenne de chaque ménage. C'est en fonction de la taille moyenne des ménages qu'on va construire les logements sociaux. Autrement, il y aura des chambres qui vont chômer ou il y aura plusieurs personnes dans la même chambre. Ça va déranger les... Ah ok, mais ça, je n'avais pas vu ça. Donc, voilà. C'est en fonction de savoir ça aussi que l'on dit, bon, l'État construit des logements sociaux tout en fonction de ça. Tout à fait. C'est en fonction de la taille moyenne des familles. C'est des éléments qui entrent en ligne de compte dans la construction des maisons. Ah d'accord. Ouais. Et donc, l'État permet... Mais alors, est-ce que le mécanisme, là, aujourd'hui, on est en plein 21e siècle? Est-ce que c'est possible de décoder comment ça va se passer? Quelqu'un qui est né à Walikale, quelqu'un qui est né dans le village dont je vous ai cité, comment à Kinshasa, au niveau central, on saura? On le sait quand? Après combien de temps? Ok. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est même mieux puisqu'on peut faire les enregistrements à distance si on l'organise comme tel. On peut déclarer sans bouger. On peut déclarer à partir de son téléphone. Aujourd'hui, c'est possible. Donc, le système veut que, comme je le disais, au niveau de... Il y a des bureaux qui quadrillent la République
avec des limitations géographiques, tel bureau, ça va de tel espace jusqu'à tel autre, ainsi de suite. Mais maintenant, il y a un fichier central. Tout, par exemple, au niveau des villages, ils peuvent renvoyer leurs rapports au niveau des districts, des territoires, les territoires renvoient au niveau des districts, les districts au niveau des provinces, provinces au niveau central. Donc, au niveau central, notamment pour cette matière-là, c'est le ministère de l'Intérieur, on devrait avoir un service de population, je crois qu'il y a même une direction, qui aurait pour mission notamment celle-là, de rassembler toutes les statistiques qui viennent des différentes parties, de sorte qu'on soit à mesure de connaître l'effectif de la population. Mais est-ce que c'est possible? Parce que les enfants naissent tous les jours. Ouais. Ils meurent aussi tous les jours. Tout à fait. Alors, comment ça se fait? Mais ça ferait un boulot à temps plein, parce qu'à chaque fois, ils vont commencer à ramener des rapports ou ils vont attendre la semaine, par exemple? Non, c'est pas, ils ne vont pas faire les rapports journellement, oui. Sûrement pas, quoi. On peut définir un rythme mensuel, oui. On peut définir peut-être un rythme trimestriel, selon les cas, tout à fait. Alors, vous dites aussi quelque part, toujours dans l'ouvrage, vous dites que la fonction, disons, le comptage de la population, ce n'est pas forcément pour des fins électorales, c'est pour des fins de gestion de la population. Tout à fait. Alors, pourquoi nous limitons généralement ça aux élections? Est-ce que l'armée en a besoin? Est-ce que la police en a besoin? Est-ce que l'enseignement en a besoin? Est-ce que l'agriculture en a besoin? Ok. J'ai parlé tout à l'heure du fichier général de la population, qui est un des produits du recensement, qu'on peut dire aussi de l'état civil. Si je prends le recensement, vous avez bien fait de poser la question, ne collecte pas que les données démographiques. Le recensement collecte des données économiques. On doit savoir qui travaille, qui ne travaille pas, et qui travaille où, qui est militaire, qui est policier, quelle maladie la population a. Toutes ces données-là, le recensement les collecte. Nous avons un fichier général de la population, mais de ce fichier général, on peut extraire plusieurs sous-fichiers, notamment le fichier des enfants de moins de 5 ans, si on en a besoin, notamment pour planifier la construction des écoles. Notamment le fichier électoral, c'est-à-dire on coupe seulement les gens de 18 ans et plus, les nationaux, pour les cas d'espèce. On peut avoir le fichier des chômeurs, toujours à partir des recensements, c'est-à-dire du fichier général de la population. Donc, les recensements, c'est vraiment un instrument de gestion administrative d'un pays. Au-delà des gestions administratives, comme je le disais, il y a des aspects politiques liés aux élections, ainsi de suite. Il y a des aspects sécuritaires, puisqu'on doit connaître qui est qui, en fait. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et moi, ça m'intéresse parce que quand on parle du recensement, il y a une véritable question aujourd'hui, professeur. C'est la question de qui est Congolais, qui ne l'est pas. Alors, cette question nous embarrasse tous. Ouais. Parce que moi, quelqu'un m'a dit, qu'est-ce qui prouve que tu es Congolais? J'ai eu du mal, j'ai sorti ma carte d'électeur, mais je me suis rendu compte qu'un Guinéen avait aussi la même carte d'électeur. Ouais. Alors, je me dis, là, on est mal parti. Oui, effectivement, on a un sérieux problème de nationalité dans ces pays, parce qu'en amont, on n'a pas bien géré la question de la population. Ma mère me disait, encore une fois, à l'époque... Vous l'aimez beaucoup, Oui, paix à son âme. Chaque citoyen avait un numéro d'identification, un peu comme nos véhicules aujourd'hui. Les véhicules ont la plaque de matriculation qui identifie. Ce numéro est unique. C'est le numéro pour ta voiture, on ne la trouvera pas sur une autre voiture. La même chose, chaque individu, chaque citoyen avait un numéro. Et ce numéro permettait de tracer l'individu. On sait que les numéros... Puis dans ce numéro, il y avait une combinaison de plusieurs chiffres qui indiquaient notamment les lieux de naissance, la tribu, la province d'origine, etc. À ce moment-là, c'est difficile de tromper. Parce que quand on est... Le besoin de manipuler sa nationalité n'arrive pas à la naissance. Pourquoi? Parce qu'à la naissance, vous êtes né dans une commune. Tout le monde sait. Donc, vous ne pouvez pas dire non. Voilà, moi, je suis Congolais déjà. À la naissance, vous allez enregistrer votre nationalité. On va vous enregistrer en tant que tel. Et ce numéro est collé à vous. C'est à vie. Et on sait, les numéros des nationaux. Moi, j'ai vécu en Belgique pendant une dizaine d'années. J'avais un numéro national qui était différent des numéros des Belges. Un policier, s'il regarde ma carte, à partir du numéro, il sait que c'est un étranger. Seulement que c'est un étranger, c'est que c'est un Congolais. Puisque même parmi les étrangers, il y avait des indications sur la nationalité. Rien que par la combinaison des chiffres. Donc il y a le 1, le 2, le 3, le 2, mais nous on voit 1. Mais peut-être un c'est Congolais, 2 c'est Rwandais, 3 c'est Burundais, etc. Nous devons arriver à ça. Donc quand on tombe sur vous, à travers le numéro, on sait. On sait où vous habitez. D'accord. Oui, on a tout sur vous. Donc, vous ne pouvez pas fuir. On sait où vous habitez, quand est-ce que vous êtes entré en Belgique, combien de fois vous êtes sorti de la Belgique et revenu, etc. Ah bon? Ça, rien qu'à partir de votre numéro. Et donc, est-ce que c'est possible de le faire chez nous?
amplement possible, c'est un problème de volonté politique, c'est un problème de moyens. Visiblement, ça n'intéresse pas beaucoup les dirigeants. Allez voir comment le service de l'état civil fonctionne. Tout le monde ici crie depuis toujours, la population est la première ressource. On le dit. Mais vous avez déjà vu un conseiller à la population, à la présidence. Il y a des conseillers en finance, conseillers économiques, conseillers ceci. Pourtant, il devrait y avoir aussi. Oui. Je sais qu'il y a un bureau, une direction de la population au ministère de l'Intérieur. Oui, mais il y a un ministère des finances. N'empêche qu'il y a un conseiller financier dans tous les ministères, etc. Comme la population est on dit que c'est la première ressource. On devrait gérer la population comme une ressource. On devrait avoir des structures qui gèrent la population comme une ressource. Mais malheureusement, chez nous, on ne sait pas qui est congolais et qui ne l'est pas. L'affaire de l'électeur ne suffit pas parce que tout le monde peut l'avoir. Pas du tout. Moi, je disais, la question que vous posez, je l'ai dit toujours à mes étudiants, on n'a aucun moyen aujourd'hui de prouver sa congolité. Passez-moi l'expression. Oui. Et au même moment, on n'a pas non plus de moyens de contester la congolité à un autre. Donc, moi, je résume simplement, et congolais qui le déclare. Malheureusement, c'est la réalité aujourd'hui. Donc, et congolais qui le déclare, c'est triste de le dire, mais c'est comme ça. Parce que, qu'est-ce que moi, je dois prouver là? Ce n'est pas à partir de la carte d'électeur. Parce que c'est la carte d'électeur. Donc, tous ceux qui ont 16 ans ne sont pas congolais. Ben parce qu'ils n'en ont pas, parce qu'ils ne sont pas allés aux élections. Par exemple, quoi. Encore que, comment on obtient la carte d'électeur, là? Nous savons comment ça se fait. On dit, bon, si vous ne pouvez pas avoir d'autres documents, notamment carte de service, carte de ceci, passeport, les témoins, vous pouvez amener les témoins, ainsi de suite. Mais les témoins, on peut les soudoyer. Oui. C'est simple de soudoyer 5 personnes, venez témoigner pour moi que je suis congolais, oui, par exemple. Oui. Et ça se fait, ben écoute, les listes électorales, quand bien même on l'affiche, qui vient les regarder? Oui. Ça, c'est un peu bourré de gens là-bas. Un peu bourré de gens fictifs. Oui. Alors, etc. On va revenir sur la question électorale, mais je voudrais qu'on revienne sur la question de l'identification d'abord. Nous sommes un pays, nous partageons nos frontières avec 9 provinces, avec 9 autres pays. Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger finalement? Tout le monde peut se déclarer congolais. Et là, des populations entières peuvent se déclarer de congolais. On a vu avec les Nyamulenge, on a vu avec les Tutsis, on a vu avec les Bazombo, on a vu avec bien d'autres personnes qui habitent nos territoires, disons nos frontières. Encore l'intérêt, oui, pour les dirigeants de... Enfin, je vais dire de quadriller un peu la question de... La nationalité congolaise n'est pas protégée. Et congolais, nous le disions tantôt, qui veut. Or, si cette situation-là perdure, adieu les développants, pour faire simple. Nous avons un pays qui fait l'objet de plusieurs convoitises. D'abord par rapport à nos voisins, mais aussi au-delà de nos voisins. Donc, et les frontières étant ce qu'elles sont. Mm. C'est vrai que le problème est parti un peu plus loin de 1885 avec la conférence de Berlin. Berlin. Qui a partagé l'Afrique sans les Africains. Aucun Africain était là. Ils ont séparé les tribus, ils ont séparé les peuples dont certains vivaient jusque-là ensemble, se sont retrouvés du jour au lendemain dans des pays différents. Ça, c'est un problème réel qui existe. Mais au-delà de ça, chaque pays doit mettre des mécanismes pour déjà gérer sa population. On peut ouvrir des doubles nationalités, ça, c'est peut-être une question qu'on abordera. Oui. Mais déjà, connaître ce que vous avez à main. Oui. Aujourd'hui, l'État congolais est incapable. Aucun Congolais, aujourd'hui, n'est capable de dire combien il y a de Congolais. Personne ne peut le dire. Parce que vous avez vécu en Belgique. Mais la Belgique a aussi des frontières. La Belgique a aussi des frontières. Pourquoi les mêmes problèmes que nous connaissons ici, on ne peut pas les connaître en Belgique, et en France, en Espagne, en Europe? Non, parce qu'ils ont un système de gestion de la population. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en Belgique, même nous, les étrangers, nous avions un numéro. Ils ont ce qu'ils appellent un registre national des populations. Tous celui qui habite, évidemment, je ne dirais pas à 100%, mais 99% de tous ceux qui habitent en Belgique se retrouvent. Leurs traces se retrouvent sur ces registres nationaux. Ce qui fait qu'on sait qui est qui. Donc, quand vous entrez, on sait que vous pouvez changer de nationalité, après demain, ça c'est possible, mais quand vous entrez, on sait que ça c'est un national, ça c'est un étranger. C'est des mécanismes comme cela que nous voudrions qu'on implante dans ces pays. Alors, parce que vous êtes démographe et professeur, vous enseignez à l'université, est-ce que vous serez en mesure de dire aux Congolais aujourd'hui combien sommes-nous?
Je le répondais indirectement à cette question tout à l'heure. Je suis incapable de le dire. Même professeur. Je suis incapable et aucune autorité de ces pays ne peut nous dire aujourd'hui combien nous sommes. Les chiffres circulent. 90 millions, 100 millions, sur la Banque mondiale. 70 millions. Bon, il faut que les gens disent quelque chose, je comprends. Mais ces chiffres-là ne tiennent à rien. Le dernier recensement date de combien? Le dernier recensement date de 1984. C'est pas possible. Et je vous révèle aussi que ce recensement de 1984 n'a été exploité qu'à un dixième. C'est-à-dire 10% seulement. Oui, les publications qui ont été faites, c'est sur base de 10% l'exploitation. En 91, il y a eu les pillages. Les gens ont pris des écrans, pensant que c'était des téléviseurs. Ils ont amené des écrans, des ordinateurs, je voudrais dire. Ils ont pillé l'INS. En prenant des écrans, des ordinateurs, en prenant des disques durs qui contenaient les informations sur les recensements. Donc, aujourd'hui, il n'y a rien qui existe. Donc, c'est vraiment une nécessité, si on veut remettre ce pays sur les rails, de procéder une fois un recensement. Le recensement de 1984 a effectivement eu lieu, mais je vous dis que ça n'a été exploité qu'à 10%. Comment ça? Comment ça exploité à 10%? Ben parce que c'est le recensement, c'est un processus. Okay. Qui a généralement quatre phases. Il y a la phase préparatoire où il faut préparer les documents, il faut signer les décrets, etc. Préliminaire, il y a la phase de collecte proprement dite sur le terrain qui ne dure que généralement 2 semaines à 1 mois maximum. Et puis il y a la phase post, c'est-à-dire après le recensement, pour commencer à exploiter les données qui ont été collectées sur terrain. Cette phase peut prendre 2-3 ans. Donc le recensement a eu lieu en 84. Théoriquement, en 89 ou en 87, on aurait dû avoir les premiers résultats. Ben, vous savez, il y a toujours un problème de financement dans ces pays. Comme ces opérations, les gros de financement, c'est souvent, malheureusement, encore une fois, c'est l'extérieur. Il faut faire que, face à toutes ces caprices-là, ce qui a fait que les données ont été exploitées en retard. Quand on a commencé à exploiter en 90-91, paf, les pillages sont arrivés. On a tout pillé. On a tout pillé et ça s'est arrêté. Alors, professeur, avant d'arriver dans la grande question fondamentale, je voudrais qu'on revienne. Ce pays a connu combien de recensements? Alors, il y a eu un recensement qu'on appelle le recensement administratif de 1970. Mais ce n'était pas, c'est pas ce genre de recensement. Quand on ne compte pas ça. Le véritable recensement, c'est celui qui a eu lieu en 1984. Et là, le premier et le seul à ce jour. Mais, je vous ai dit, ça n'a été exploité qu'à 10%. Dans les 80 millions d'habitants, c'est depuis 1984. Non, en 84, on était à 34 millions d'habitants, si mes souvenirs sont bons. Mais depuis, on fait des projections. Sur base, on a vu l'évolution de l'accroissement démographique, généralement autour de 3,1%, 3,2%. Sur base de ça, on dit, bon, si le rythme d'accroissement demeurait constant, voici ce qui peut advenir dans 10-5 ans. Mais tout de suite, les projections ne tiennent que globalement pour 15 ans. Les derniers, c'était 84, aujourd'hui, c'est 36 ans après. Encore une fois, tous les chiffres qui existent sur la population congolaise sont faux. Sont faux, parce que basés sur des hypothèses fausses. Alors, le taux de mortalité et le taux de natalité, on ne peut pas le mesurer. Pour le moment, on est incapable de les mesurer. Pour le moment, on ne peut pas mesurer. Par exemple, je prends le cas de la COVID, on n'est pas à mesure de fixer aujourd'hui l'impact sur la mortalité de la COVID. Simplement pourquoi? Parce que hier, on ne connaissait pas le niveau de la mortalité. Avant la COVID, personne n'avait mesuré le niveau de la mortalité. Et encore aujourd'hui, on peut spéculer pour dire, c'est clair que certainement la COVID a eu un impact sur la mortalité, mais on n'est pas à mesure d'estimer quelle est la hauteur de cet impact en termes de la mortalité parce que nous avons un pays qui n'a pas une culture statistique. Alors, à l'époque, moi j'étais jeune en ce moment-là, donc je n'avais pas ma carte de citoyen, mais on disait que les Congolais, les Aïrois avaient une carte pour citoyen ou une carte de citoyen, je ne sais pas trop. Oui, il y avait des cartes pour citoyens. Oui. Je me rappelle, c'était des cartes vertes comme ça, avec les drapeaux flambeaux d'Imper, quelque chose comme ça. Vous en avez aussi, vous? Oui, je crois, oui, j'en ai eu. On l'avait à quel âge, à peu près quand... Normalement, à ses 18 ans, mais on pouvait avoir avant à travers ses parents, si les souvenirs sont bons. Oui. Les cartes ont existé. Et déjà, sous Mobutu, je crois, vers les années 89-90, il a créé un service d'identification
pour nous remettre les cartes d'identité. Mais malheureusement, la démocratie, avec tous ces désordres, les pillages sont arrivés. Et voilà, depuis, alors, on n'a pas de cartes. Aujourd'hui, professeur, comment repartir? Comment repartir pour rebâtir un État sur base des données fiables et vraies? Comment repartir pour bâtir un État sur base des données fiables et vraies? Pour moi, c'est partir du recensement, c'est la base. Est-ce que vous avez la mesure de la conséquence politique de ce que vous dites, professeur? Oui, oui, je vais bien arriver. Okay. Il faut un recensement aujourd'hui, ça s'impose. Ça s'impose parce que, non seulement pour des besoins électoraux, nous pouvons peut-être y revenir, mais beaucoup plus pour les besoins de planification. Mmh. Le recensement, c'est d'abord un instrument de planification. Mmh. Je vous ai dit que c'est impossible de planifier, c'est impossible de mesurer, d'évaluer les programmes de développement si on n'a pas en amont les effectifs des populations. Mmh. Puisque les effectifs de population entrent dans les calculs de plusieurs indicateurs. Si je vais calculer aujourd'hui les taux de chômage, qu'est-ce que j'aurai au numérateur? J'aurai les chômeurs, les gens qui n'ont pas d'emploi. Encore faudrait-il définir c'est quoi le chômage. Mais au dénominateur, j'aurai la population. Pour l'instant, je ne peux avoir ni le numérateur, ni le dénominateur. Mmh. C'est ça l'impossibilité. Mmh. Maintenant, comment on peut lutter contre le chômage si on ne connaît pas les taux de chômage? Puisque quand on fixe les objectifs de développement dans des programmes de développement, on regarde la situation actuelle. On dit par exemple, je dis n'importe quoi, le taux de chômage est de 30% aujourd'hui, je voudrais les ramener à 10%. Mmh. Comme ça, tout le monde peut suivre. À la fin de la période de la mise en œuvre du projet, on peut venir maintenant évaluer. Ben voilà, vous êtes parti de 30%, vous avez dit que vous allez arriver à 10%. Est-ce que vous êtes arrivé à 10%? Aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire, malheureusement. Alors, donc, ce qui veut, il faut qu'on... Alors, quand vous dites recensement, quel est le lien que vous faites avec l'État civil? Alors, je vous ai dit que l'État civil, c'est une institution permanente, pérenne, qui doit fonctionner de manière continue, etc. Maintenant, l'état civil, le recensement vient compléter l'état civil. Puisque dans l'état civil, qu'est-ce qu'on enregistre? On enregistre les naissances, on enregistre les décès, on enregistre les mariages, les divorces, etc., les divorces. Bon, vous et moi là, si je ne suis pas marié pendant cette période, si je n'ai pas eu d'enfant, si je n'ai pas eu de décès, si je n'ai pas changé de résidence, je n'ai pas besoin d'aller à l'état civil, n'est-ce pas? J'aurais besoin d'aller à l'état civil lorsque j'ai un événement couvert par l'état civil pour le déclarer. Ce qui fait que l'état civil prend les naissances, l'effectif des naissances, l'effectif des décès pendant deux périodes. Mais l'effectif de la population, puisque la population change, croît non seulement par les naissances, mais aussi par les décès, mais aussi par les migrations. Vous me citez souvent votre village, j'imagine que vous êtes né là-bas et vous êtes venu à Kinshasa. Ouais. En venant à Kinshasa, vous avez modifié la taille de la population kinoise. Alors, ça, tout de suite, l'état civil ne peut pas voir ça. Ouais. Il faut un recensement à intervalles réguliers pour voir ça. Alors, si on parle du recensement, on a un chiffre. Et admettons qu'on fasse un recensement aujourd'hui, on trouve que la population congolaise, je dis n'importe quoi, est de 100 millions. Nous sommes le 1er janvier 2000, par exemple. Alors, pour mesurer l'effectif de la population une année après, on n'a pas forcément besoin de recensement. À ce moment-là, on va à l'état civil. On voit combien il y a eu de naissances. Okay. On ajoute à l'effectif qui était là. D'accord. Combien il y a eu de décès. On extrait de l'effectif qui était là. Combien de gens sont partis à l'étranger. On les soustrait. Combien de gens sont venus de l'étranger pour venir. On les ajoute. Donc, ce qui fait que la combinaison du recensement récent et de l'état civil permet de connaître l'effectif de la population. Et donc, ce qui fait que même pour les exodes ruraux et tout ça, exodes ruraux, pardon, on a besoin de ces informations-là aussi. Tout à fait, tout à fait. Pour savoir qui ont quitté leur campagne pour venir en ville. Tout à fait, tout à fait. Parce que ça déduit une certaine dynamique. Généralement, qui quitte? Ce sont les jeunes qui quittent. Quand on quitte le milieu rural pour la ville, on dévitalise, entre guillemets, la population du milieu rural parce que quand les jeunes quittent,
déjà l'effectif diminue dans les milieux d'où ils viennent, mais non seulement l'effectif, la structure aussi. La population dans les milieux ruraux aura tendance à se féminiser. Pourquoi? Parce que ce sont généralement les garçons, les hommes qui quittent. Mais la population dans les milieux ruraux aura aussi tendance à vieillir, parce que ce sont les jeunes qui quittent. Donc, ce qui fait que, voilà, au niveau de la ville, la population se masculinise et se rajeunit. Mais au niveau de la campagne, la population se féminise et toutes les conséquences, il y a et toutes les conséquences autour, quoi, sur la dynamique de l'emploi. Ceux qui viennent là sont des jeunes, ils doivent chercher l'emploi. Ils vont faire une pression sur le marché de l'emploi. Ils vont faire une pression sur le marché matrimonial puisqu'il faut qu'ils se marient. Et il faut faire une pression demain sur les maternités puisqu'ils auront des enfants. Ils vont faire une pression sur les écoles puisque les enfants qui naîtront auront besoin d'aller à l'école. Alors tout ça, l'État devrait maîtriser ça. Tous ces éléments-là devraient être la préoccupation des gouvernants. Parce que ça bouleverse la donne politique. Ça, la planification, ça bouleverse. Puis si ces éléments-là ne sont pas intégrés, admettons, vous dites, bon, vous vous limitez à Kinshasa, on a fait un recensement uniquement à Kinshasa, on trouve que les besoins en école primaire, c'est peut-être 10 classes. Je dis n'importe quoi. Le gouvernement provincial peut dire, bon, ok, je vais construire 10 classes. S'il n'a pas tenu compte de la dynamique migratoire, c'est-à-dire les gens qui vont quitter le milieu rural pour la ville, ces gens-là viendront, ils vont se marier, ils auront des enfants. Ce qui fera qu'au bout des comptes, on aura quoi? Le nombre d'écoles prévues sera insuffisant pour recevoir tous les enfants. C'est simplement cela. Alors, comment résoudre notre question rwandaise, burundaise, ougandaise? Comment on va la régler? C'est une question épineuse et je crois que le pays a fait beaucoup d'erreurs au départ. Notre pays, la RDC, a fait beaucoup de... L'histoire nous apprend qu'à un certain moment, le président Mobutu avait donné la nationalité collective. La nationalité se demande, c'est une démarche individuelle. Ça, c'est une erreur que pour moi, je considère que le pays doit assumer. Le pays doit assumer, puisqu'on ne peut pas rendre les gens apatrides. Mais au même moment, et c'est pourquoi, si je lis la loi sur la nationalité, même si je suis favorable à la double nationalité, mais je crois que pour un certain temps, il faut qu'on garde ça d'abord comme ça, que la nationalité congolaise est unique et indivisible. On fait un recensement, pour moi, on fait un recensement. Bon, vous vous déclarez congolais, on vous considère comme tel. En sachant que vous perdez automatiquement la nationalité qui n'est pas la vôtre. Donc, quand vous acceptez la nationalité congolaise, vous perdez la rwandaise, burundaise, ougandaise, vous la perdez. Voilà. Ensuite, on chemine. On peut plus tard ouvrir la double nationalité, mais on peut faire comme on fait au Canada. C'est notamment l'initiative du parti en vol, pour ne pas les citer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être congolais et être rwandais à la fois. Aux États-Unis, on ne peut pas être américain et canadien. Tous les pays limitrophes des États-Unis, on ne peut pas avoir une nationalité de ces pays-là si on est américain. Ah bon? Voilà. Pour les autres, oui, mais pas pour les pays. Voilà, oui. On peut faire la même chose ici. Donc, vous pouvez être belge, congolais. Vous pouvez être congolais et belge, mais pas congolais, rwandais. Pas congolais, angolais. Non, sinon, tous les rwandais traverseront. Sinon, tous les congolais, les angolais traverseront. Ah, c'est pas mal comme idée. Hein. Ben voilà. Donc, moi, je soutiens cette idée-là, puisque nous perdons aussi. Je dis que j'ai vécu à l'étranger à un certain moment. Nous avons des compétences de nos anciens compatriotes. Nous savons pour la plupart les raisons qui ont poussé à ce qu'ils acquièrent ces nationalités-là, mais. On peut toujours les récupérer. Nous avons besoin de... Le pays a besoin des ressources. Ouais. Donc, nous pouvons récupérer les ressources de nos compatriotes là. C'est aberrant, de mon point de vue. Un Congolais, quand bien même il est devenu américain, s'il veut revenir au Congo, on lui demande les visas, mais ma foi. C'est pas possible, non? Non, je trouve ça anormal. Quoi. Moi, je rentre quand même chez moi. Ben, je suis belge, je vais bien, mais bon, quand même. Vous êtes belge aujourd'hui? Non, moi je ne le suis pas. Non, je donne un exemple. Très bien. Mais c'est pas si mal parce que moi, je me dis, mais on a demandé, ce qui m'a fait rire, on a demandé à un Congolais qui prend en charge sa famille ici, avant qu'il vienne, dire non, prise en charge. Ouais. Mais c'est moi qui prends en charge. Vous imaginez? Alors, c'est des aberrations qu'on peut corriger, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Il faut d'abord qu'on mette de l'ordre. Alors, le recensement. On part à partir du recensement. Comment ça se fait? Combien de temps ça prend? Alors, je vous ai dit d'abord la périodicité, selon les Nations Unies, chaque 10 ans, un pays doit faire un recensement. Alors,
Si je prends l'ensemble des 4 phases qui caractérisent le processus de recensement, on peut dire qu'en 5 ans, le délai maximum pour faire le recensement, c'est 5 ans. Donc, si on le commence maintenant, c'est pour avoir des résultats en 2020, mais bon, 25. Mais l'avantage maintenant que nous avons, la phase préparatoire a déjà été faite depuis plusieurs années. Okay. Donc, il y a un bureau ici qui s'appelle Bureau Central du Recensement, qui existe, je crois, depuis 2009, si mes souvenirs sont bons, qui n'attend maintenant que de l'argent. Ça signifie qu'on a fait déjà la moitié du temps. Mm. Donc, si on donne au BCR de l'argent, plus ou moins 200 millions de dollars, il peut faire les recensements. Dans 200 millions de dollars. Dans 18 mois, on peut faire les recensements. 200 millions de dollars, professeur. Oui. C'est l'argent perdu à Jekamine. 200 millions de dollars, c'est 10 fois moins que l'argent qui est perdu selon les rapports de l'IGF. Ben voilà. 200 millions de dollars, c'est pratiquement l'argent que certains Congolais ont pris. Ouais. Donc, c'est seulement cela que le Bureau central du recensement attend pour finaliser. Mais si on ne le fait pas, ça doit avoir quand même des conséquences. Pourquoi il refuserait de le faire? Est-ce qu'il y a des informations cachées? Est-ce qu'il y a une volonté cachée qu'on ne connaîtrait pas? Bon, moi, je crois qu'il y a plusieurs agendas autour de ça. Déjà, on ne doit pas s'évaler la face. Les chiffres de la CENI qu'il nous présente depuis 2005 des enrôlements, c'est des chiffres faux. Mm. Malheureusement, nous n'avons pas de base pour contester ça, à cause, encore une fois, de l'absence du recensement. Alors, si on fait le recensement aujourd'hui, ça remettrait en cause beaucoup de choses. Notamment les chiffres on nous dit dès le dernier recensement, on était autour de 40 millions, quelque chose comme ça, la population âgée de 18 ans et plus. Bon, ce qui n'est pas vrai. Techniquement, c'est quand même, si on sait que dans notre pays, les moins de 25 ans, les moins de 15 ans, déjà représentent 25%, les moins de 15 ans, selon les estimations, encore une fois. Mm. Mais bon, quand on dit qu'à partir de 18 ans et jusque-là, c'est 40 millions, 40 millions, c'est à peu près 50% de la population, selon les chiffres qui circulent. Bon, je trouve qu'il y a quand même des choses à redire. Alors, parce que vous parlez recensement, vous dites que ça peut nous prendre 18 mois, si on donne les 200 millions, ça peut nous prendre 18 mois. Et donc, ça peut nous permettre d'aller faire de très bonnes élections. Tout à fait. Dans ce livre, cette revue de l'IDGPA, vous dites par exemple, je vais citer, vous dites que, si je vois bien ici, ce sont vos propos, vous dites, vous soutenez qu'un système d'état civil mieux organisé et plus fonctionnel est à même de conduire à des élections plus crédibles, paisibles, plus transparentes. Pourquoi paisible, crédible et transparente? Alors, parce que l'expérience de 3 cycles électoraux que nous avons eu dans ces pays, je rappelle que j'étais agent électoral pour les cycles les premiers de 2006, mais bon, j'ai quitté en 2005 puisque je devais rentrer aux études. La pomme de discours, c'est toujours autour des listes électorales. Mm. Ces listes électorales viennent d'où? Viennent des opérations qu'on appelle enrôlement. On a adopté l'enrôlement des électeurs. L'enrôlement, c'est d'abord, ce n'est pas une opération obligatoire. Qui vient se faire enrôler, qui veut. Voilà. C'est déjà une source de biais. Puisque le recensement, lui, c'est une opération obligatoire. Alors, ça, c'est une première chose. De deux, nous le savons, toute période électorale est une période de tension. Et les acteurs de tous bords cherchent à manipuler les chiffres de population parce que derrière les chiffres de population, il y a quoi? Il y a des sièges à pourvoir. Oui. Parce que les sièges au niveau de chaque entité, de chaque circonscription, sont déterminés en fonction de la taille de la population. Plus vous avez un effectif élevé de la population, plus vous aurez des sièges, plus votre bataille sera moins âpre. Tu vois, si vous avez qu'un seul siège et vous êtes à 10 candidats, vous allez vous empoigner pour gagner ces postes-là. Mais si vous en avez 3, 4, 5, ça va plus ou moins. Quoi. Donc, ces chiffres-là, les chiffres de population conditionnent. Ce qui fait qu'il y a des doubles enrôlements, des gens qui changent de nom, qui passent d'un point à un autre. Il y a des doublons, il y a ceci. Il y a cette manipulation politique aussi. Rappelez-vous, en 2005, le président Tshisekedi, de reste mémoire, a appelé au boycott des opérations d'enrôlement. Ce qui a fait qu'au finish, qu'est-ce qu'on a eu?
dans des zones, entre guillemets, contrôlées par l'opposition, le taux d'enrôlement était faible. Très faible. Alors que dans les zones contrôlées par le pouvoir d'alors, le taux d'enrôlement était très élevé. Et c'est sur base, rappelez-vous, c'est sur base de ces éléments que nous avons le siège, le nombre de sièges qui a été déterminé au Parlement, et parti de ça. Ce qui fait que ça a été conçu sur du faux. Et parce que jusqu'aujourd'hui, là où même quand on a autorisé que les gens aillent voter, aillent s'enrôler, la taille n'a pas changé. Voilà, on part toujours de cette base-là. Fausse. De cette fausse base qu'on essaye d'améliorer. Bon, pour des raisons évidentes, écoute, celui qui a déjà sa parcelle de pouvoir ne voudrait pas que ça change, quoi. Mais il y a aussi un élément, professeur, si vous permettez. Il y a des endroits où on nous a dit qu'il y avait 1000 personnes, alors qu'en réalité, il y avait que 10 personnes, 12 personnes. Ce gonflement-là venait d'où? Je prends l'exemple de l'Équateur, et c'est véridique. La plupart des, puisque c'était manuel en 2005, plusieurs cargaisons de fiches d'identification sont tombées dans le fleuve. C'est les rapports de la CENI. Mais curieusement, il y a eu quand même un chiffre de population. Soit non, fantaisiste. Fantaisiste qui ne correspondait à aucune réalité. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous aussi qu'en 2005, l'Équateur était réputé proche de Jean-Pierre Bemba, c'est-à-dire opposition. On n'avait pas intérêt à ce que les chiffres de population soient... Entre-temps, à l'est du pays, dans le Katanga, il y avait beaucoup de gens qui ont beaucoup aimé les élections qui tout sont enregistrées convenablement. Donc, c'est sur base de ces faux-là qu'on continue à construire. D'où l'intérêt d'un système d'état civil. Mais... si on ne parle pas de l'état civil tout de suite, parce que ça c'est une opération de longue haleine, c'est vraiment une culture qu'il faut instaurer. On ne peut pas conditionner les prochaines élections à l'état civil, sinon ça n'aura jamais lieu, quoi. Mais c'est un processus qu'il faut commencer. Mais il faut le conditionner au recensement. Même pas au recensement, oui, même pas. Si on fait encore cette conditionnalité-là, on va arriver à ce qu'on a vécu sous les présidents. Mais comment ça va se passer alors pour avoir des bonnes élections, si on ne sait pas répertorier les gens? Oui, s'il y a la volonté politique, je vous ai dit 18 mois suffirait pour que nous ayons un fichier global de la population, duquel peut être extrait le fichier électoral. Et pour ça, il faut 200 millions de dollars seulement. Alors voilà une autre pensée. L'une des fonctions essentielles des élections consiste à assurer la légitimité du pouvoir, elle-même tributaire du degré de transparence et d'objectivité dans la préparation et dans la gestion d'une élection. Il convient de s'assurer que l'inscription sur les listes électorales et leur mise à jour soient faites de manière à participer à la crédibilisation du processus dans son ensemble. C'est le professeur Essambo qui le dit. Oui. Comment vous le trouvez? Oui, c'est un extrait que j'ai tiré d'une publication du prof Essambo sortie cette année. Voilà encore là l'actualité de ma réflexion. Donc c'est vraiment des choses actuelles. Tout à fait. Les listes électorales, la constitution des listes électorales reste, je ne dis pas l'élément unique, reste l'élément essentiel pour aboutir à l'élection apaisée. C'est-à-dire qu'il faut que dans les listes, on retrouve les vrais électeurs qui se sont enregistrés. Alors, si, comme je disais, si on enregistre pendant la période électorale, avec tous les risques dont j'ai relevé, mais si on enregistre in tempore non suspecto, à travers les systèmes d'état civil assis, on aura des listes qui ne poseraient pas beaucoup de problèmes parce que ces listes seront révisées. On partirait d'un fichier qui existe où chaque électeur, chaque citoyen aura une identification. On dira, Bossembe, votre numéro c'est 8-459-425. C'est vous. Ce numéro-là vous suivra partout. Donc vous ne pouvez pas changer ce numéro-là de vous-même. Donc, c'est ce que nous voulons arriver à ça, un fichier consolidé, mais un fichier qui sera actualisé pour les besoins des élections, si besoin il y a. Alors, le dénominateur commun de ces élections est qu'elles ont été toutes contestées par les perdants qui avaient considéré comme truquées et en avaient rejeté le résultat, même après que le cours des tribunaux ait rendu leur verdict. Ça, c'est juste une autre phrase de votre livre aussi. Tout à fait, parce que encore à la base, vous vous rappelez les dernières élections, les gens ont tellement contesté les fichiers électoraux de la CENI qu'on a fait appel à l'Organisation internationale de la francophonie pour venir expertiser les fichiers électoraux.
Bon, il a sorti un communiqué un peu alambiqué, le IF, pour dire que les fichiers étaient bons, consolidables, perfectibles, quelque chose comme ça. Mais dans le même temps, environ 36 000 doublons ont été extraits. D'où sont-ils venus, ces gens-là? Ça signifie que s'il n'y avait pas cette expertise, les 36 000 là auraient voté. Et 36 000, c'est déjà des voix. C'est des voix. Sièges même. Plusieurs sièges autour des 36 000. Oui. C'est tout ça le problème. Et qui nous dit qu'il n'y avait que 36 000? Rien n'est parce qu'il y avait plus. Peut-être qu'il y en avait certainement plus. Alors, vous tirez encore une autre citation de Saint-Moulin. Vous dites, l'établissement du fichier électoral des élections 2018 fut l'objet des modifications qui manquaient totalement de transparence. Les cas le plus flagrant fut celui de la province de Son Kourou, dont le premier nombre d'électeurs était à ce point surfait qu'il obligea la CENI en a publié un autre, réduit sans aucune explication de 39,7% à l'échelle du pays. Le premier nombre d'enrôlés publiés était de 46 542 289 000. Il fut amputé de 6 254 902 unités, qualifié de doublons ou de mineurs, et finalement ramené à 40 427 387 pour le calcul de pourcentage des enrôlés qui ont pu exercer leur droit de vote. Tout à fait, nous savons, connaissons Son Kourou, nous savons qui est entre guillemets maître dans cette région-là, quelle est la force politique qui contrôle ça. Et cette force politique avait justement de l'intérêt que ces chiffres soient surfaits. Mais les tollés étaient tels que ils se sont vus dans l'obligation de rectifier. Bon, cette rectification-là, tout résolu, je me permets d'en douter. Vous dites, maintenant, quand il s'agit des recommandations, par exemple, vous recommandez qu'il faut la réhabilitation de la culture statistique et la mise en place d'un système d'information sociodémographique cohérent, moderne et fonctionnel. Oui. Lorsque nous parlons de statistiques démographiques, ce n'est qu'un sous-maillon du grand ensemble qui est l'appareil statistique. Nous avons, dans ce pays, nous n'avons pas la culture des chiffres. Nous n'avons pas la culture de baser nos décisions sur des évidences. Je vais te donner un exemple tout à fait simple. Dans cette ville, en 2013 ou 2014, le gouvernement Matata a lancé le projet Esprit de vie, c'est-à-dire octroyer les bus aux opérateurs privés, avec l'idée, il disait, pour remplacer les bus communément appelés Esprit des morts. Le projet en soi était ambitieux, une bonne chose, mais ce projet aurait dû être basé sur les besoins réels. Quelle est la demande de transport en commun dans cette ville? Qui le sait? Pour commander les bus, il faut savoir, voilà, nous avons X nombre de gens qui se déplacent chaque jour, aller comme retour, et les besoins qu'on a, enfin les moyens qu'on a aujourd'hui, c'est peut-être 10% de la demande est satisfaite, il nous reste à couvrir 90%. Et sur base de ces 90%, là, nous commandons X bus, X nombre de bus qui va couvrir. Ce projet a été fait sans ces éléments-là. En conclusion, qu'est-ce qui est arrivé? Je disais ça déjà à cette époque-là à mes étudiants. Je leur disais, vous verrez, vous me donnerez raison. Dans 5 ans, l'esprit des morts vivra et l'esprit des vies mourra. C'est ce que nous sommes en train aujourd'hui. L'esprit des vies est mort. L'esprit des vies est mort. Voilà. L'esprit des morts est vivant. Et il restera vivant pendant longtemps. Alors, comment ceux qui ne sont pas intellectuels, comme on dit, entre guillemets, ont pu maintenir un système comprenant la demande? Je ne sais pas comment ils ont fait. Alors que ceux qui sont allés à l'école n'ont pas quantifié la demande, ne l'ont pas étudié. Comment ça peut se faire? Non, c'est justement cela qui m'a poussé à parler de la culture statistique. Oui. Donc, nous devons, qu'il s'agisse d'un niveau individuel, personnel, vous et moi, comme du niveau, surtout du niveau de l'État, nous devons apprendre à baser les décisions sur des évidences. Et dans ces évidences-là, il y a les statistiques. Les statistiques ne trompent pas. Il vous dit, voilà, votre population est comme ça. Vous avez 52% d'hommes, vous avez 48% de femmes, vous avez 30% de ceci, cela. Et si vous voulez faire un programme de développement, prenez ces éléments-là, basez votre programme sur ces éléments-là. Vous dites aussi qu'il faut une adhésion massive de la population au système d'état civil et simplification de procédures de déclaration des faits.
rien à faire, il faut passer par là. Si la population n'adopte pas, si la population n'adhère pas à une réforme, la réforme voit l'échec. Puisque ce n'est pas l'État qui va... L'État, c'est qui? C'est vous et moi. Ce sont les individus comme vous et moi qui devront aller enregistrer nos faits à l'État civil. Et sur base de ces déclarations-là, l'État peut bâtir un programme. Donc, il faut montrer à la population l'intérêt. Nos parents le faisaient parce qu'en amont, il y avait ce qu'on appelait les allocations familiales. C'était une incitation parce qu'à chaque enfant, on donnait X montant à la fin du mois. Peut-être qu'aujourd'hui, ça, on ne déclare pas puisqu'il n'y a pas directement de l'intérêt. Bon, je vais perdre mon temps là-bas, qu'est-ce que ça va me rapporter? Au contraire, je vais encore payer là-bas. Je vais payer. C'est pourquoi je propose la gratuité des déclarations faites dans les délais. La gratuité des déclarations réalisées dans les délais, mais aussi la simplification. La simplification, il ne faut pas continuer à obliger les gens de se déplacer vers les bureaux de vote. Nous avons un pays de 2 345 000 km², avec l'infrastructure que nous connaissons. Parfois, il faut des jours pour arriver à un centre électoral. Voilà. Mais si on a un système, par exemple, informatisé, un système numérisé, un système où on peut faire sa déclaration de n'importe où, à partir de son téléphone par exemple. Ça va inciter les gens. Et la tricherie, comment on doit la contrôler? Non, il y a toujours moyen de contrôler. Ça ne signifie pas que si vous déclarez, vous avez l'acte automatiquement. Vous déclarez d'abord et l'acte, on pourrait voir, mais mettre les informaticiens sont très capables de faire ce genre de contrôle-là. Alors, vous dites aussi qu'il faut l'informatisation, la numérisation, la centralisation et la mise en ligne du service de l'État civil. C'est justement cela dont je parlais tout à l'heure, parce que si vous allez au bureau de l'État civil, passez-y un jour, vous verrez combien nos papas la ploient sous la charge, l'odeur des fichiers dont certains datent d'avant l'indépendance, qu'on n'exploite même pas. Des fichiers moisis, c'est même dangereux pour la santé. Pour la santé. Oui. On peut libérer ces espaces-là en faisant de la numérisation, en faisant la mise en ligne. La mise en ligne aura aussi l'avantage, puisque les services d'État civil ne fonctionnent pas seulement pour lui-même. Si vous voulez aller au service d'assurance, on va notamment, vous voulez souscrire à une assurance vie. Quel est parmi les éléments qu'on vous demande? L'âge. Puisque un enfant de 10 ans, par exemple, et nous deux là, si nous allons pour souscrire une assurance vie, on ne nous demandera pas la même chose. Parce que notre risque de mourir n'est pas le même. Notre abonnement, enfin, notre assurance sera relativement un peu plus chère que celle d'un enfant de 10 ans qui a devant lui une longue vie. Quoi. Voilà. Ces éléments-là, l'âge. Ce n'est pas l'âge tel que je le déclare. Il faut que j'aie un document qui prouve que l'âge que j'ai dit qui est le mien est attesté sur ce document-là. Et ce document-là, ce n'est pas moi-même qui dois le produire. C'est l'État qui doit certifier que M. Mangalou, déjà pour certifier que monsieur que vous avez devant vous là, c'est lui Mangalou. Parce que nous avons ce document. Et l'âge qu'il déclare, c'est cet âge-là. Et il est effectivement le mari de tel. Il a autant, X nombre d'enfants. Ça, c'est l'État civil. Donc, on a quitté l'État civil, le service d'assurance a utilisé les données de l'État civil. La même chose pour hériter. Pour hériter de ton père. Qu'est-ce qu'on va vous demander de prouver que tu es le fils de ce monsieur? Ce n'est pas puisque vous le déclarez que vous l'êtes. Vous devez produire un document qui vous lie au découillus pour reprendre... Et puis, ça n'a rien à voir avec le fait que tu ressembles à ton père. Pas du tout. C'est plutôt parfois, il y a des enfants qui ressemblent aux voisins. Aux voisins. Ça, c'est autre chose. Mais vous dites aussi qu'il y a l'élaboration d'une législation électorale consensuelle. Tout à fait. Parce que l'élection, même la constitution des listes électorales ne doit pas être l'apanage de la CENI seule. Tous les compétiteurs, tous ceux qui sont intéressés par les questions électorales doivent avoir les possibilités d'accéder à ces listes-là. Dans l'objectif de garantir la transparence en amont pour éviter les contestations en aval. Justement, ce sera évidemment à ce moment-là, il faut veiller à la protection des données personnelles. Donc, il faudrait que la législation dise quand est-ce que la révision des listes électorales peut être faite, à quel rythme, qui doit le faire, ça doit porter sur quoi.
Par exemple, faut-il déjà, en fonction des élections qui viendront, enrôler les enfants de 16 ans, si on sait que les élections vont arriver dans, 10, dans 5 ans, par exemple? La logique voudrait que ceux qui ont 16 ans aujourd'hui soient, ou ceux qui ont 15 ans soient enrôlés, ouais, puisqu'au moment des élections, ils auront déjà 18 ans. Voilà. Parce qu'il y a même 18 ans. Mais ça, c'est des questions qu'on doit mettre sur la table. Et on va terminer avec la cartographie des circonscriptions électorales et des bureaux de vote. Oui. Parce que la cartographie permet de nous situer, de lier chacun individu à un espace. La plus petite soit. On va partir de cela. Il faut que dans les fichiers électoraux, dans les fichiers de la population, on sache que M. Mangalou réside sur l'avenue X, numéro tel. Pourquoi? Si on est parti de la plus petite unité, je prends le numéro, la parcelle, si on veut faire l'élection, admettons qu'on veut faire les élections du chef de rue, on partirait de ces, puisque l'information existe déjà. On n'aura pas besoin de chercher une autre information. Si on veut faire l'élection du chef de quartier, comme la rue se trouve dans le quartier et qu'on avait déjà l'information, on avait déjà localisé Mangalou par rapport à sa rue, mais c'est facile de localiser Mangalou par rapport à son quartier. Mais si on s'était limité au quartier, on ne me retrouvera pas sur ma rue. D'où l'intérêt de partir de la plus petite unité et on peut agréger par la suite pour des élections un peu plus... Alors on va terminer avec une question d'actualité. Il y a un professeur qui est venu de Liège, de l'Université de Liège, qui pense aux réformes électorales. Quel est votre point de vue sur la question, sachant qu'il y a des gens qui disent que ce n'est pas possible? J'ai suivi des professeurs comme vous qui ont contesté l'idée, d'autres l'ont accepté. Alors vous, votre point de vue? Alors personnellement, j'ai étudié en Belgique, je connais le prof Kabamba, Bob Kabamba, c'est de lui qu'il s'agit. Personnellement, je trouve ça une insulte. 60 ans après, c'est une université belge qui doit nous envoyer un expert pour nous dire comment on va faire la réforme électorale. Je trouve ça une insulte. Je vais bien, tout le monde est d'accord et d'avis que la loi électorale doit être révisée. Mais les Congolais aujourd'hui dans ces pays ont des têtes pour penser à ces choses. Vous avez déjà pensé à ça déjà dans, mais voilà, dans cet article, tout est détaillé, tout est clair. Voilà pourquoi moi je me posais à cette histoire, je me disais mais il y a un Congolais qui a réfléchi convenablement sur la question, qui a donné qui a fait des projections. Alors pourquoi on va se pavaner, pourquoi on va faire des excursions, ouais. Ben on va faire le tralala pour qu'on essaye de mettre les partis, bon, je comprends pas. Non, autant que vous, j'ai du mal à justifier ça, quoi. Ça, c'est mon point de vue personnel. Merci beaucoup, professeur. Donc, si l'on comprend, pour terminer, si l'on comprend, que faut-il faire pour avoir des bonnes élections, pour qu'on n'ait plus de, qu'il n'y ait plus de contestations en 2023, pour qu'il n'y ait pas le langage comme quoi président nommé, pour qu'il n'y ait plus le langage de président élu, pour qu'on n'ait plus ces choses? Il faut construire un fichier général de population à partir du recensement. Et parce que du fichier général de la population, on peut tirer le fichier électoral qui sera moins sujet à des contestations que le fichier électoral que la CENI nous présente. Je rappelle que c'est 200 millions de dollars seulement pour 18 mois maximum. Voilà. Fini le truc. Tout à fait. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Je rappelle que vous êtes professeur. Vous êtes aussi... doyen, vice-doyen dans la recherche à l'université de Kinshasa, et vous nous avez fait l'honneur de répondre à toutes nos questions. Merci beaucoup, monsieur le professeur Agbada. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie parce que vous m'avez ouvert cet horizon. Merci bien. Les hommes, ceux qui veulent suivre l'émission peuvent le faire, les hommes et les femmes bien évidemment. Vous voulez appeler, vous voulez poser des questions, faites-le, le professeur. Est-ce que vous avez besoin de continuer les débats avec les internautes? Oui, pourquoi pas. En ce moment, vous allez bien vouloir donner vos coordonnées. Okay. Oui, allez-y. Ceux qui veulent vous suivre, ceux qui peuvent vous appeler pour connaître le débat. Ok, donc le numéro de téléphone, vous voulez dire. Oui. Donc, mon téléphone, c'est le 04x9-17013. 04x9-17013. L'email, alors, c'est agbada.mangalou@gmail.com. Merci, on se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Merci. Salut tout le monde. Moi, c'est Achille Boutungu. I do work for Unisho by AFH under Cedric aussi. Tout ça, qu'on fait appel à Bino, nous sommes tous les gens qui ont vivé dans la UK, il y a Royaume-Uni seulement, que tout ça, qu'on paie ça
la service protection et assurance. Tous assurance vie, life insurance. Et ça que ce qui nous t'as dans la ba futi mbongo. Mbongo ba ko futa yo, et ça pour nous couvrir l'enterrement, puis dans ce côté qu'a héritage na ba na yo. Et en même temps, ce qui nous t'as dans la boîte crédit, et qui peut ko futa na ba na yo. Tous ceux sont à auto bengi living costs. Living cost est un produit oyo, ce qui moto abeli azanandaku au salaka plus de 20 heures yaka ce que beli assurance ko futa yo mbongo pendant que zanandaku zo salate. Et nous avons aussi building and content, ce que zanandaku na yo bien au futelaka koningo protéger ndaku na yo to ko futa yo toza susu na auto mengi critical illness assurance maladie tango moto ozali susu na problème à santé au beli sérieusement. L'assurance te paye. Tout ça n'a pas témoignage de Bélé Moutoyo à Futami parce que Bélé qui m'a dit critique. Naza juste n'a besoin de témoigner par rapport à ma cambo d'assurance où nous avons biso à Chile à Zakosala. Tango, l'ikame zui biso et que maman santé dérangée. Maman bazana droit à Futaye autant. Réalité, Zaki ba honora parole na bango, pe ba pesa mi solo et singela qui par rapport na oye biso tozoak. Keza aventure te, eza vraiment sérieux. Nous sommes là pour vous. Why wait? Pourquoi attendre? Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, causez la tête na souka. Naza a pour na koede yom tozo landanga, oza na kati Angleterre, na Royaume-Uni. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour la. Sous-titrage Société Radio-Canada.